Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous sommes un petit peu en problème technique. Cela dit, nous sommes tous là au rendez-vous. Donc, au nom de Dance Placerona et de l'association, écoutez, je vous souhaite la bienvenue en ce qui concerne ce webinaire. Et on va parler, bien sûr, de l'augmentation osseuse et post-implant dans la région postérieure du maxillaire sévèrement atrophiée. Alors, on va peut-être expliquer ce que c'est que le PEERS. Le PEERS est une association mondiale d'échange sur la formation, la recherche et les sciences. C'est pour ça que ça s'appelle PEERS, c'est une abréviation. Je crois qu'on a 1000 membres à peu près répartis, donc c'est une organisation assez intéressante, assez importante, et qui organise plusieurs activités. Par exemple, le congrès PEERS a eu lieu il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines d'ailleurs. Et puis, le PEERS organise également des sommets universitaires dans le domaine de l'implantologie. Les dates sont fixées. D'ailleurs, ce sera le 28 et 29 janvier 2022 à Chamonix. Oui, hein, une date importante, il faut y être. Il faut y être. Et bien sûr, nous serons ravis de vous accueillir à Chamonix. Ce sera un grand événement. Voilà, avant de présenter la personne qui est à ma gauche, je vais vous dire une chose. Pour pouvoir rejoindre nos membres, il faut dire une chose, c'est que la conférence sera toute en anglais. Mais vous avez une traduction simultanée, si cela vous intéresse, que vous soyez sur Facebook, YouTube, etc. Vous pouvez donc écouter la traduction simultanée en français. Donc, je pense que vous connaissez comment fonctionne le webinaire. Vous avez la possibilité de poser des questions, si cela vous intéresse, bien sûr. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et à la fin du webinaire, nous vous répondrons. Voilà. Alors, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler des problèmes osseux. On va en parler donc ce soir, on va en débattre. Eh bien, pour cela, j'ai à ma gauche quelqu'un qui connaît très très bien le sujet. Il est d'ailleurs, il dirige un programme de post-universitaire de chirurgie de reconstructrice avancée. Il a un cabinet privé à Paris. Oh, c'est un conférencier mondial. Il a une grande aura. Tout le monde le connaît. Donc, je vous présente le docteur Georges Coury en personne. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Écoutez, bonjour à toutes ou bonsoir à toutes et à tous. Désolé, hein, pour ceux qui écoutent en français, ils vont dire que j'ai une belle voix féminine. Eh bien non, ce n'est pas ma voix, c'est la voix de l'interprète qui est féminine. Donc, peut-être que vous préférez sa voix. Oh, ça dépend. Bien, on va donc commencer notre sujet. Je suis ravie de vous accueillir ici ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi. On va pouvoir communiquer tous ensemble dans le monde entier. Et ça, c'est formidable avec tous les membres du PEERS. On va parler, bien sûr, d'atrophie. L'atrophie, notamment dans la région postérieure du maxillaire, eh bien, c'est une expansion sinusienne, ou bien aussi, on peut appeler ça aussi un remodelage de la crête. Donc, on va parler aujourd'hui de la première partie. Dans ce domaine, on va parler notamment des sinus, l'expansion, comment remodeler l'os, par exemple. En fait, on a une perte de cristal minimal et donc on va voir un petit peu comment ça se passe en l'occurrence. Bien, alors, donc les atrophies maxillaires, alors il y a plusieurs raisons, bien sûr, ça peut être une infection, une extraction traumatisante, un accident, et donc, une fois que l'os est perdu et que l'on pose des implants, il faut tenir compte de quoi? De l'anatomie, bien sûr, et puis aussi des sites infectieux, des sinus éventuellement, et puis voir un petit peu ben, quels sont les critères dont on va parler, les décisions qu'on va prendre pour faire une belle reconstruction osseuse. Alors, nous avons publié, il y a 3-4 ans à peu près, avec deux amis à moi, Ronald Younes et Nabib Nader, nous avons publié un ouvrage, les techniques de la greffe sinusienne. C'est vraiment un guide, une bible, si vous voulez. Et donc, vous pouvez au cabinet œuvrer vous-même, notamment pour la chirurgie. Alors, évidemment, il faut tenir compte des complications, des biomatériaux, comment utiliser les membranes, etc. Et donc,
que vous trouverez vraiment toutes les informations disponibles dans cet ouvrage. Alors, on continue. On va en parler justement de cela. Alors, vous pouvez, bien sûr, surtout, n'hésitez pas à envoyer vos questions si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas, messieurs les internautes et mesdames les internautes. Alors, avant de parler de chirurgie sinusienne, d'augmentation, par exemple, osseuse, il faut tenir compte de quoi? Eh bien, toutes les parasinus, bien sûr. Le plancher sinusien est important, mais il y a autre chose aussi. Qu'est-ce qui se passe au-dessus? Par exemple, au niveau des cellulites ethmoïdales, du sinus frontal, on peut avoir aussi des infections. Et donc, ben, ça peut être important pour la pose d'implant par la suite. Ou bien une petite infection comme une petite sinusite, ou bien carrément une tumeur. Bon, cela dit, il faut mettre l'accent sur la reconstruction osseuse. Alors voilà, donc vous avez le complexe anatomique est très important. Pourquoi? Il faut bien comprendre quelles sont toutes les voies au niveau de la muqueuse, quand vous intervenez, et c'est très important. Ensuite, alors, donc il faut voir quels sont les conduits, les méa. Alors ça, c'est une patiente qui est venue pour un soulevé sinusien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez sur ce petit film. On a deux lignes, la jaune et la verte. La verte, c'est quoi? C'est simplement, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a une petite infection, vous voyez ici, qui a été traitée, et avec la méatotomie. Et vous voyez, au-dessous de l'os turbiné, vous voyez ici, il y a une petite communication avec le nez. Et la patiente a eu une chirurgie, pourquoi? Parce qu'il y avait une infection bilatérale, et donc, latérale, pardon. Et là, vous voyez, l'ostium, et vous voyez comment il est. Il est très fin, très très fin, notamment à droite. Alors, c'est pour ça que elle a eu sûrement une infection, et donc, ben, il fallait faire une méatotomie pour éliminer l'infection et le pus. Alors, qu'en est-il de la genèse de l'élévation sinusienne? Il y a un homme derrière tout ça, c'est bien sûr le professeur Tatoum qui a réalisé la première intervention, la fenêtre proche latérale, en 77. Mais ce que l'on ne sait pas aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est que la première approche crestale a été faite par Tatoum lui-même. Et donc, ça a été fait. C'était un petit peu compliqué d'ailleurs, hein, pas à réaliser par rapport à ce que l'on savait à l'origine. Et donc, on avait des implants d'une certaine longueur et donc, il fallait connaître la longueur des implants. Alors, il y a 3 ans, trois ans plus tard, Phil Boyne a publié un premier article sur cette approche latérale. Et donc, ça, c'était, on peut dire que c'était vraiment les deux premiers avant-gardistes en ce qui concerne cette approche, cette stratégie de l'augmentation osseuse. Mais à l'époque, bien sûr, ils ont observé qu'il y avait des résorptions quand on posait l'implant. Bon, à l'époque, on utilisait, dans les années 90, de l'os autogène avec prélèvement de la crête iliaque. Et cet os, eh bien, il y avait toujours une résorption. C'est vrai, que l'implant soit posé ou pas. Alors, c'est pour ça que la première classification a été faite par Mich en 87, et lui, il a établi le premier protocole pour voir un petit peu ce qu'il en était au niveau de l'approche crestale ou latérale. Et lui, il a pensé que moins de 8 mm était nécessaire pour pouvoir faire ce soulevé sinusien. Donc, si par exemple on a entre 8 et 12 mm, c'était une indication pour une approche crestale. C'était surprenant, mais c'était comme ça. Et la pose de l'implant nécessitait au moins 12 mm de hauteur d'os. Et c'est pour ça qu'on utilisait des implants longs à l'époque. Comme je vous disais, on allait quand même de 15 mm à 21 mm de longueur d'implant. Et à l'époque, bah, disons que c'était quelque chose qui était utile, mais plus maintenant. Alors, le consensus de 2015, donc ça c'était la conférence du consensus, vous verrez que en fait, ce n'est pas ce que l'on fait maintenant. Les choses évoluent, c'est vrai, tout va vite, on essaie de simplifier les protocoles, mais la conférence du consensus de 2015 a établi 3 classes. Classe 1, vous voyez, avec une hauteur moyenne de 7 mm à peu près, c'était une indication pour des implants courts,
avec un col large, mais ces implants pouvaient bien fonctionner avec un bon pronostic. Alors la classe 2, c'était, on oscillait entre 5 et 6 mm de hauteur d'os. On pouvait considérer ça pour des implants courts ou alors carrément pour l'approche crestale ou latérale. Ça dépendait bien sûr de la densité osseuse. Et aujourd'hui, on sait que la densité n'a rien à voir avec la stabilité, même si on a peu d'os au début, au moment du traumatisme, si vous voulez, quand on pose l'implant, par exemple. La cicatrisation, de toute façon, elle fournira une meilleure densité avec un meilleur remodelage osseux. Voilà. Donc même, bon, il y a voilà, c'est ce que l'on disait en 2015, en ce qui concerne donc la mise en charge. Et puis la classe 3, alors là, on a une hauteur inférieure à 5 mm, et là, c'est plutôt une approche carrément latérale. Alors maintenant, qu'en est-il de la pose de l'implant simultané? Eh bien, ça dépend de quoi? Ça dépend bien sûr de la forme de l'implant, ça dépend de la densité osseuse. Mais pour pouvoir tout classifier, nous on considère qu'il faut à peu près 5 mm pour pouvoir poser un implant normal. 5 mm ou plus, et si vous voulez faire un soulevé de sinus, crestal, latéral, ça dépend. Peu importe de l'anatomie, ok. Si vous avez 5 mm, vous pouvez poser n'importe quel implant. C'est ça notre sujet aujourd'hui. Quel est l'implant à poser quand on a peu de hauteur, par exemple de 2 mm? Quelles seraient les indications? Et puis quelle serait aussi la forme, la topographie, si vous voulez, du site? Alors, dans des publications récentes, on a dit qu'on pouvait même carrément aller jusqu'à 1 mm. Entre 1 mm et 2 mm de hauteur. C'est possible. C'est quelque chose de prévisible en plus. On va en reparler à la fin de ma présentation. Alors le consensus, c'est quoi? Eh bien, on est de 2 à 4 mm à peu près, hein, avec cette densité osseuse, on peut, mais faites attention, ça dépend de la forme et on verra quelle est la forme et de ce que l'on doit éviter pour poser l'implant si on n'a que cette petite hauteur. Petit problème technique, dit le docteur Khoury. Ah, il pose une question en live, dans le monde entier. I have a signal here of low battery. You have, please, my chargeur there. No, I don't know what is that. You know, so maybe. Normally, when we have a technical problem, you know, there's always another technical problem that will... Ce n'est pas un petit problème, dit le modérateur Jean-Sébastien Renaud. Ce n'est pas un problème, on va y arriver. Merci. On va y arriver. Ah, ça arrive, hein, ce sont des problèmes qui arrivent même pendant le live. Bon, de toute façon, quand on fera un replay, dit le docteur Khoury, on coupera cette petite séquence malheureuse technique. Is everything okay for you? Voilà, c'est vraiment du live. So hein? I think ça n'est pas enregistré. Docteur Renaud dit, on va trouver une solution. Peut-être que je pourrais peut-être te poser une petite question. L'épaisseur de la membrane. Moi, j'ai lu des articles sur cette membrane qui doit être de 2 mm à peu près pour tenir compte, bien sûr, de la greffe osseuse. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est un facteur important ou pas, 2 mm? Eh bien, moi, si on a des membranes très épaisses, on peut avoir, bien sûr, du tissu conjonctif en dessous, et donc ça peut proliférer, et il pourrait compromettre le substitut osseux. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Le facteur le plus important, c'est quoi? Eh bien, quand tu poses du matériau de substitution osseuse, fais attention à la membrane, parce que cette membrane, elle représente une sécurité, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose que tu remarques quand il y a une communication, surtout entre le tissu conjonctif et la membrane. S'il y a une fistule, par exemple, hein, dans un cas comme celui-ci, le tissu conjonctif pourrait proliférer, c'est vrai. Et donc, ça n'est pas facile à imaginer, mais quand tu as une membrane épaisse, je pense que tu peux poser justement une membrane de collagène, par exemple, par-dessus, bien sûr, le matériau tissu osseux. Nous revenons à la conférence, à la présentation.
Donc, alors, en hauteur entre 2 et 4 mm. Concernant la densité osseuse, on peut poser l'implant si, par exemple, on a une bonne stabilisation d'à peu près 20 cm, newton-centimètres. Mais bien sûr, quand vous posez l'implant dans cette hauteur osseuse, faites attention aux complications, parce qu'on n'est pas certain que tout se passe bien. Donc, quelles sont les modalités de l'élévation de sinus? Alors, vous avez l'approche crestale, mais aussi l'approche latérale. L'approche crestale peut être faite par l'ostotomie. On a vous savez que Tatum, par exemple, on a parlé, on a appris de lui d'ailleurs dans les années 80. Ensuite, la préparation de la membrane interne, c'est la fameuse technique de Summers, exige aussi une bonne condensation osseuse et puis aussi du matériau de substitution osseuse pour avoir, si vous voulez, un bel équilibre au niveau de la surface de la membrane. On peut utiliser différents systèmes, l'hydrolift, le ballon, etc. Mais je n'entrerai pas dans ces détails parce que moi, je parle surtout de la zone atrophiée au maxillaire avec l'approche latérale. Et je voulais simplement vous donner quelques ficelles du métier parce que vous verrez que c'est important pour éviter, évidemment, les écueils. Alors, l'approche crestale, qu'en est-il? Cette approche crestale, eh bien, en fait, elle exige beaucoup d'efforts de la part des sociétés dentaires pour mettre au point des systèmes adéquats, c'est-à-dire au niveau de... On parle plutôt d'impact manuel et on a aussi une approche avec peu d'impact, si vous voulez, pour créer cette pression dont on a besoin pour pouvoir pénétrer le plancher sinusien. Et on marche très, très bien. Si vous voulez, ça fonctionne très, très bien en peu de temps. C'est peu invasif. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc, l'approche crestale, elle est plus sécurisée par rapport à l'approche latérale. Mais attention, attention, ça n'est pas quelque chose qui se produit à chaque fois parce que vous savez que le matériau se répand dans le sinus, il faut faire attention dans certaines situations. Au moment où on pose les biomatériaux, il faut être bien formé puisque c'est quand même une approche qui n'est pas évidente. Elle peut réduire bien sûr l'utilisation de la fenêtre latérale, mais faites attention pour cela. Maintenant, alors il y a quelque chose d'incroyable. Au niveau des classifications, on parle bien sûr de la hauteur d'os résiduel. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Alors, vous savez, moi j'ai imaginé une hauteur de 3 mm par exemple. Et avec un gain de 2 mm. Vous croyez que 2 mm, 3 mm, c'est la hauteur minimale? Si moi, je dois augmenter jusqu'à 7 mm, par exemple, est-ce que c'est une bonne approche ou pas? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la hauteur d'os résiduel n'est pas importante. Ce qui importe, c'est comment je vais obtenir ce gain d'os, quel est, si vous voulez, le volume minimal que je vais obtenir pour pouvoir poser l'implant que j'ai choisi. Par exemple, si vous aimez bien les implants courts, ok, donc vous pouvez gagner 2 ou 3 mm, peut-être même 2 mm, ce serait bien, parfait, ou bien 3 mm. Mais si vous utilisez un implant, par exemple, lisse, par gueux, même si vous n'avez que 4 mm, eh bien, ce n'est peut-être pas le bon implant, là. Donc, c'est ça qu'il faut considérer au niveau, non pas de la forme de l'implant, de la dimension, mais surtout le gain que vous voulez obtenir au niveau de la hauteur osseuse. Donc, entre 2 et 3 mm, alors, approche crestale, ok. Et entre 3 et 4, ce serait plutôt une approche crestale, oui. Mais au-delà de cela, il faudra utiliser une approche latérale. Voilà. Mais de temps en temps, on peut aussi avoir mieux avec une pression hydraulique, par exemple, obtenir encore un gain supplémentaire, pourquoi pas, de 8-9 mm. Mais bon, ce n'est pas un protocole pour tout le monde. Voilà. Quels sont les avantages? Alors, évidemment, le patient est moins traumatisé par la chirurgie qui est moins invasive, c'est vrai. Le taux de morbidité diminue, c'est vrai aussi. Et donc, il faut voir aussi ce que c'est important. L'implantation, donc la pose d'implant est immédiate.
puisque de toute façon on a les membranes, etc. Donc on peut décider d'abord donner le protocole si on utilise la fenêtre latérale. Intervention plus courte, bon ça dépend. Ça dépend de la façon dont vous traitez le site. Si vous avez 4 implants, par exemple, si vous voulez faire une approche cristale avec 4 implants, ben, ça sera prendra plus de temps que l'approche latérale. Donc ça dépend. Cela dépend de la chirurgie. Quelles sont les limites? Vous le savez, c'est une chirurgie à l'aveugle, ça c'est vrai. Et donc, tout peut bien se passer, mais quand vous posez les biomatériaux, vous risquez d'avoir des problèmes avec la membrane. Ensuite, s'il y a des perforations, vous risquez de ne pas les voir, uniquement une fois que le patient vient vous voir. Donc, vous revoir. Puis, il faut quand même contrôler également les contours de la membrane, et puis ou bien vous pouvez injecter un sérum, et si le sérum s'écoule, ça veut dire que la membrane est bonne. Mais parfois, au moment où on pose le biomatériau, ça n'aperçoit pas. Ensuite, les risques d'infection aussi peuvent être pris en considération. Il peut y avoir le risque est peut-être moindre. D'abord, pourquoi? Eh bien, c'est que les bactéries viennent de la bouche. Et donc, quand la fenêtre est ouverte, ça augmente les possibilités d'infection. Mais à partir du moment où vous refermez, vous avez moins de risques d'infection. Puis, au moment où vous compactez avec, recomblez avec le matériau, vous avez comblé, et bien, vous poussez tout cela dans le sinus. Et même s'il y a une petite perforation, disons que ce sont des petites particules qui elles-mêmes peuvent être éliminées par le patient. Lorsque, par exemple, vous faites l'approche latérale avec le même substitut osseux, et bien, voilà quelle est la situation. Ensuite, alors évidemment, la mauvaise expérience due à l'ostéotomie, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, de quoi on a besoin? On a besoin, bien sûr, du scanner pour être sûr que tout va bien, qu'il n'y a pas d'infection. Bien sûr, la tomodensitométrie est importante. Et puis, c'est aussi au niveau de l'axe. Si vous faites, par exemple, avec la panoramique, là, ne tenez pas compte de l'épaisseur de l'os, non, plutôt la hauteur et la direction. Maintenant, si vous avez, par exemple, un peu plus d'os, comme ici, et si vous voulez faire une élévation, un soulevé de sinus, bon, ok, mais faites attention pour savoir exactement quelle est la bonne direction à choisir. C'est pour ça que la tomodensitométrie est vraiment importante. Voilà, alors maintenant, voilà, étape par étape. Alors ça, c'est un cas très simple, à 6 mm. Là, on peut gagner à 2, on peut gagner quelques millimètres. Et c'est un cas que j'ai réalisé il y a quelques années. J'ai ajouté le biomatériau, comme vous voyez, ici. Donc là, c'est le forage. On fore. On n'utilise pas le dernier foré avant d'avoir posé le biomatériau. Après, je vous dirai pourquoi. Et donc, on garde les derniers millimètres pour l'ostéotomie. Ensuite, on n'entre pas dans le sinus. C'est-à-dire qu'au moment où on a 0,5 à 1 mm, on s'arrête. Et après, on peut poser les biomatériaux à l'intérieur. Vous pouvez utiliser la sonde pour ça, bien sûr. Cette sonde-là, elle est très bien parce qu'elle est douce, pas agressive. Et vous pouvez aussi évaluer, apprécier la hauteur de l'os, pas uniquement sur le scanner, mais aussi en sondant vraiment, en essayant de voir si c'est le bon site par rapport à celui où vous posez les implants, c'est-à-dire s'il n'y a pas de dichotomie entre ce que vous faites et puis le scanner. Voilà. Ensuite, moi, j'utilise aussi un biomatériau, par exemple, matériau hydraulique avec un gel, ou alors, pourquoi pas, du collagène, une matrice de collagène qui contient de l'hydroxyapatite, par exemple, la membrane de collagène, qui est, je fais le comblement, comme ceci, et puis, je n'entre jamais dans le sinus, attention, parce qu'il faut exactement aller jusqu'à presque au bout, mais s'arrêter un millimètre avant. C'est très important. Ensuite, vous voyez ici en bas, eh bien sur l'image de gauche, regardez la partie interne de la zone, elle est blanche. Pourquoi? Mais ça, c'est du biomatériau, c'est-à-dire qu'au moment où vous faites ce comblement, vous avez une petite inclusion de particules d'hydroxyapatite qui vont se
fixé dans l'os spongieux. Et quand vous compressez, eh bien, vous risquez d'avoir une petite inflammation et douleur. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai modifié cette technique. Moi, je n'ai plus d'inflammation depuis que je procède de cette façon. Je n'ai plus de douleur. Donc, on utilise le dernier forêt, pas pour réaliser la préparation cristale, non, mais pour retirer toutes ces petites particules qui sont autour de l'os spongieux. Alors, voyez, j'utilise cet outil-là. Regardez cette forêt de contrevasement pour avoir un bon contact avec la membrane de collagène spongieuse. Pour avoir un contact. Et puis, on voit aussi tout autour qu'il n'y a plus d'hydroxyapatite à l'intérieur de l'alvéole, de l'os alvéolaire. Voilà. Et l'implant, après, pourra être positionné. Maintenant, ce qui concerne la stabilité primaire de l'implant, bon, on est à peu près à 30 newtons centimètres, ça peut être 25. Hein, mais, et après, bien sûr, on pose le pilier de cicatrisation. Voilà, la situation, ça c'est après la cicatrisation, et tout a bien fonctionné. Là, on avait un gain de à peu près 4 mm osseux. Bien. Alors, quelles sont les indications pour l'approche latérale en ce qui concerne le consensus de 2015? Eh bien, on est à plus ou moins 5 mm. Ceci peut être réalisé par des implantologistes talentueux, avec moins. Mais bon, disons que ça, c'est une moyenne générale. Alors, quels sont les outils qu'on peut utiliser? On peut utiliser, bien sûr, les fraises, bien aimantées, en tungstène, mais aussi, bien sûr, la piézochirurgie, les inserts, si. Alors, il y a deux types d'outils qu'on peut utiliser. D'abord, la scie, carrément, ou bien la scie avec l'insert avec boule diamantée, la boule diamantée. Donc, vous voyez ici dans cet article, nous avons eu 7 perforations quand on utilisait la scie par rapport à l'insert à boule diamantée. Vous voyez? Donc, alors, je ne sais pas si dans toutes les situations, elles sont aussi simples que cela. Parce que si vous avez de l'os épais, vous augmentez le risque d'utiliser, c'est-à-dire si vous utilisez un insert diamanté, vous augmentez le risque parce que vous ne pouvez pas retirer facilement la plaque. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut savoir évaluer. Voilà. Donc, sur ce film, on voit exactement quelle est la sécurité utilisée avec la piézochirurgie. Ben, pourquoi c'est utile? C'est quelque chose de formidable. Vous voyez, c'était une chirurgie en direct qui a été faite à l'Université de Saint-Joseph au Liban. Regardez comment agit cet insert. Vous voyez, cet outil. Mais alors, on a à la fois l'insert si et l'insert boule de diamanté. Alors, moi, je n'utilise pas l'insert diamanté. Moi, j'utilise celui qui est plutôt rectangulaire et pas à boule. Alors, avec la scie, on définit bien les limites de la perforation. Vous voyez, c'est un os très fin. Regardez là. On voit la zone sombre de l'ostéotomie. Vous voyez, c'est une muqueuse vraiment très fine. Hein. On voit très, très bien là. Voilà. Donc, on est à moins de 0,5 mm d'os. Et la scie fonctionne bien dans un cas comme celui-ci. L'essentiel, c'est de pousser. Il faut qu'elle soit angulée par rapport à l'os. Et voilà l'approche cadre. Alors là, c'est avec l'insert à boule. Et ça, c'est la réclinaison. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer aussi quelque chose qui n'est pas très courant. Parce que ça n'était pas planifié comme ça. Alors, je faisais la chirurgie avec un de mes collègues à l'époque, et puis on faisait la réclinaison comme ceci, et puis à l'époque, je maintenais la fenêtre latérale à l'intérieur, vous voyez. Et après, toute réflexion faite, on m'a dit, écoute, si tu veux retirer la fenêtre, comment tu vas faire? Eh bien, j'étais sous pression, et je me suis dit, bon, ok, j'ai l'insert piezo. Moi, je suis sûre de ce système. Alors, je vais le retirer de l'intérieur du sinus. Et voilà comment j'ai procédé, comme ceci. Vous voyez, en maintenant la fenêtre latérale, et puis comme avec un élévateur, vous voyez, comme ceci, pour pousser
et libérer la membrane, comme un décolleur plutôt, vous voyez, comme si j'utilisais un décolleur, voilà. Et voyez, on va voir quelques minutes après ce que ça a donné, après avoir retiré la fenêtre latérale. Regardez, la couleur est sombre de la muqueuse, ça veut dire qu'elle est très fine. Voilà, par la suite, on a mis une matrice en collagène. J'utilise toujours matrice de collagène parce que à chaque fois qu'on a une muqueuse très fine, après avoir posé le matériau à l'intérieur, après avoir comblé avec le matériau de substitut osseux, on a un bon résultat. C'est-à-dire, pour moi, c'est plus simple. Surtout quand je veux déposer, bien sûr, le matériau de substitut osseux. Voilà. Mais bon, ça n'est pas le sujet de la présentation d'aujourd'hui ou de ce soir. Voilà, alors donc ça c'est la pose du matériau de substitution osseuse. Voilà, et puis je referme la fenêtre. Voilà. Et je repose la fenêtre par la suite. Alors maintenant, quelles sont les phases de cicatrisation après le soulevé de sinus? Eh bien, à l'instar de tous les biomatériaux, de tous les substituts osseux, alors le premier chaos sanguin est le plus important. Formation du chaos sanguin, c'est important. Devient fibreux, c'est-à-dire que ça, c'est grâce à la vascularisation. Donc, on a les ostéoclastes et les ostéoblastes, etc. Et puis, après, on a un remodelage par la suite. Donc, rien de différent par rapport aux matériaux de substitut osseux. Ce n'est pas vraiment différent au niveau de l'os, enfin, de la cicatrisation osseuse. Non, ce qui est le plus important, ce sont les facteurs qui impactent la cicatrisation. Ce sont les mêmes, vous savez, par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, vascularité réduite, eh bien ça, c'était quand même un risque majeur qu'on a remarqué. Cela dit, ça n'est pas si important que cela, parce que on sait qu'on n'a pas beaucoup de vaisseaux, c'est vrai, peu de vascularisation. Cela dit, on a une bonne intégration des tissus de substitution osseuse, de matériaux de substitution et un bon remodelage finalement par la suite. Ensuite, la réduction de la tension d'oxygène, non, ce n'est pas quelque chose de très important. Alors, les maladies systémiques, ça oui, attention. Le tabac, oui. Alors, la surface des implants, oui, ça aussi c'est important, parce que si vous avez un implant fin, eh bien, lisse par rapport à un implant rugueux, évidemment, ça ne sera pas la même chose. Bon. Donc ça, c'est autre chose qui est important. Ensuite, le matériau de substitution osseuse est important, c'est-à-dire la qualité, en fait. La qualité, l'origine du matériau de substitution osseuse est important, parce que vous risquez d'avoir une cicatrisation lente ou profonde. Et les composants chimiques sont importants. On en reparlera tout à l'heure. Alors, quelles sont les variables anatomiques? Eh bien, la hauteur osseuse résiduelle, la dimension du sinus peut avoir un impact sur la cicatrisation, par exemple. Si vous êtes à 6 ou 8 mois, ce sera pareil. Mais si vous êtes, par exemple, à peu près 4 mois, si vous avez vraiment une grande, large cavité sinusienne, alors, oui, le matériau ne va pas se remodeler de la même façon. Voilà. Donc, ça, c'est simplement pour montrer un cas. Voyez ici, par exemple, regardez, quelle que soit la dimension, par exemple, de la cavité sinusienne, quand le sinus vient juste derrière les incisives latérales, et si vous allez jusqu'à la tubérosité où il n'y a pas d'os, voyez, on a un lit sinus large, ça peut aller de 3 cm à même plus que cela. Et donc, si vous tenez compte aussi de l'os tout autour, c'est de l'os cortical, pas médulaire. Donc là, on peut dire que le remodelage de l'os du matériau de substitution osseux peut, la cicatrisation évidemment, sera plus longue pour le remodelage. Qu'en est-il des matériaux de substitution osseux? Alors, quel est le meilleur matériau à ce stade? On connaît bien l'activité osseuse, ça dépend de quoi? Ça dépend de trois facteurs: l'ostéogénèse, l'ostéinduction et l'ostéoconduction. Alors, l'os autogène, peut induire une ostéogénèse, mais au moment du prélèvement de l'os,
Ce n'est plus de l'os vital. Au moment du prélèvement, il faut de 12 à 30 minutes pour faire le prélèvement, préparer le site et remettre en place. Et le taux de survie des cellules est très bas. Bon, si vous faites une greffe osseuse, il n'y aura pas de survie. Donc, c'est pour ça qu'on a une induction. Et donc, on a une ostéo-induction. Ça va prendre plus de temps. Et l'ostéoconduction, c'est quand même important. Ça, c'est la caractéristique du substitut osseux. Et d'après moi, c'est ça qui donne la qualité de l'os. C'est ça dont il faut tenir compte avec l'ostéo-induction. Alors, maintenant, qu'en est-il de la littérature dentaire? Ce sont des articles qui ont été publiés. Eh bien, l'os autogène, il se résorbe rapidement. Les recommandations sont les suivantes. D'utiliser, des biomatériaux non résorbables ou à moitié résorbables, par exemple, pour faire un bon remodelage. Voilà. Bien sûr, l'os autogène, c'est aussi un matériau de substitution. Maintenant, si on considère les propriétés des xénogreffes. Alors, qu'est-ce que sait-on de la littérature dentaire et de notre expérience aussi? Eh bien, on sait que ça montre une bonne stabilité osseuse, très prévisible en plus à long terme. On a peut-être plus d'infections, oui, c'est vrai. Il y a plus de complications en post-op. Mais, cela dit, une fois que le remodelage a lieu, on a une meilleure stabilité. Voilà, ça c'est ce qu'on utilise, ce qu'on voit, ce qu'on constate au terme de densité, de volume, ici avec le soulevé de sinus avec l'hydroxyapatite bovine. Maintenant, si on tient compte d'autres biomatériaux, d'autres matériaux, il y en a plusieurs, il y a le bioglace, le TCP, le HA, la conclusion est la suivante. C'est que si on considère chaque matériau, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on n'a pas de résultats fantastiques en ce qui concerne le soulevé de sinus du plancher sinusien. Parce que ces matériaux, finalement, on a un manque d'informations là-dessus en ce qui concerne le potentiel de ces matériaux pour de l'os néoformé. Bon, les choses changent. J'ai commencé à travailler en 1994 sur ces matériaux avec l'Université de Louvain, en Belgique. On a travaillé sur le biogran. Et donc, ce sont des patients que j'ai traités. Et le bioglace s'incorpore bien. Par exemple, vous voyez ici les petits éléments orange. Eh bien, c'est de l'os néoformé. Vous voyez, et ça remonte vers l'intérieur du sinus. Donc, c'était vraiment intéressant à l'époque de constater qu'on avait quand même une bonne intégration, une belle formation, néoformation osseuse. Mais l'histoire est un petit peu différente. Voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, au fil du temps, ici, on avait un implant de 15 mm, un stéréos, pour ceux qui se souviennent de stéréos. Et voyez ici, on a perdu une bonne partie osseuse. Et le problème, c'est que les implants émergent dans le sinus. Et au niveau clinique, pourquoi pas, mais à partir du moment où le matériau de substitution osseux était perdu, on s'est dit, mais alors quel est le matériau qu'on va utiliser pour remédier à cela? À l'époque, je crois que c'était dans les années 90, j'ai commencé à utiliser aussi un mélange d'os autogène hautement résorbable avec du HA alloplastique. Et ça, c'est un cas incroyable, vous voyez. Donc, alors ça, c'était un prélèvement de l'os mentonnier avec l'hydroxyapatite. Et regardez l'implant posé. C'était des implants stéréos, ça aussi, c'est des vieux implants. Hein. Et voyez un petit peu, regardez le plancher sinusien. On est passé d'une zone sombre, sans os, à une zone peuplée, à l'apex de l'implant. Regardez, c'est différent du bioglace. Et voilà ce qui s'est passé en 2005. Vous voyez, le plancher sinusien est indépendant des implants. Donc, finalement, le mélange de ce matériau peu résorbable, lentement résorbable, est une chose importante avec le temps. Alors, voilà l'article qui a été publié. On a parlé d'allogreffes aussi. Est-ce qu'elles sont prometteuses? Oui, elles permettent une bonne formation osseuse. Mais à partir
Bon, mais il faut dire que ce matériau, attention, se résorbe comme l'eau suspendue. Alors finalement, ce n'est pas terrible. Bien. Donc, si on fait un mélange, oui. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir. Alors, ce qui est important ici, au niveau de l'allogreffe, c'est quoi? Eh bien, c'est la présence de la matrice de collagène. Ça, c'est très important. Au niveau de la matrice de collagène, dans la structure osseuse, si vous voulez. Parce que on a une très bonne endogénèse rapide, parce que les vaisseaux vont se reformer très rapidement, le caillot sanguin va bien se faire, il y a toute une cascade de création de cellules, et ça c'est formidable, ça marche bien. Donc nous avons mené une étude sur 50 sinus, avec un bon suivi, et avec, on voit la même chose qu'avec l'os spongieux. C'est la même chose par rapport à ce qui se faisait dans les années 90. Alors maintenant, qu'en est-il des phosphates calcium? Alors là, on a les matériaux très résorbables facilement et on a ce qu'on appelle l'approche hybride. Non. Ici, on voit qu'on a utilisé un mélange de HA de TCP et on a utilisé la même chose que ce que vous avez vu avec l'os autogène et puis l'hydroxyapatite dense. Et donc, le plancher sinusien ici est bien défini comme ceci. Et vous allez voir tout à l'heure ce que je veux dire. Et ce n'était pas le niveau initial, d'ailleurs, du plancher sinusien. Alors, voilà le patient. Donc, il fallait une double correction. Vous voyez ici, il faut corriger la crête ici. Vous voyez, c'est un défaut combiné. Élever le sinus, bien sûr. Donc, on a extrait la dent 6 semaines avant. Et puis, voilà l'approche latérale. La fenêtre latérale, donc. Et puis, donc, soulevé de sinus. Voilà. Et puis j'ai utilisé quoi? Eh bien j'ai utilisé une céramique à base de phosphate de calcium. Vous voyez, on était à 20% de HA. On peut dire qu'on avait des petites quantités d'hydroxyapatite, mais on avait du TCP à 80%. Bon, bien sûr, c'est alloplastique, hein, c'est synthétique, bien sûr, par rapport à celui qu'on a utilisé tout à l'heure. Alors voilà, donc la membrane a été bien stabilisée, comme vous voyez ici. Regardez sur la surface. Eh bien, comme on le sait, avec la xénogreffe, on recouvre simplement la surface à l'intérieur du sinus. On sait que ça marche très bien. Et pour le volume, si vous voulez, pour augmenter le volume, la xénogreffe, c'est vraiment l'élément indiqué. La membrane est stabilisée par des taquets comme ceci. Et voilà, la reconstruction. Et ça, c'est au bout de quelques mois, la cicatrisation. Alors, je n'ai pas utilisé de membrane non résorbable. Donc, comme il n'y a pas, si vous voulez, de besoin esthétique dans cette zone, bon, je me suis dit qu'il fallait éviter les complications en ce qui concerne la PTFE. Voilà. Maintenant, alors voilà le site d'entrée. Regardez, belle intégration au niveau de la xénogreffe, belle cicatrisation. La cicatrisation était belle. Même au scanner. Donc là, ça c'est la pose des implants qui ont été comme ceci, donc forage. Et regardez c'est bien cruanté. Ensuite, donc les implants ont été posés sur la panneau. On voit très bien. Il n'y a pas de limite définie pour le plancher sinusien. On va voir un petit peu comment ça s'est passé au fil du temps. Alors voilà, les implants ont été posés. On ne voit pas. Bon, la prothèse a été posée, dit l'orateur. Et regardez le plancher sinusien. Alors, on a aperçu des choses à la tomodensitométrie. C'est-à-dire qu'on a un plancher hautement cortical qui est indépendant de l'apex des implants. Pourquoi? Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'os autogène et l'hydroxyapatite, c'est-à-dire que puisqu'on ralentit ce principe, on laisse l'os croître. Et donc, on a une réorganisation de l'os indépendamment de la pose des implants. Voilà.
Voilà, la radiographie, non, le scanner, vous voyez, une augmentation de la densité osseuse. En fait, on a des petits pics. On voit que finalement, la pression des sinus ne se remodèle pas, ne se résorbe pas. Pas d'expansion de sinus, comme ceci. Et on le sait, on l'a constaté, quand on a par exemple une périimplantite, et quand on retire l'implant dans ce cas-là, et si on laisse cicatriser, on a une reconstruction osseuse importante, même meilleure, par rapport à celle qu'on avait avec de l'os natif. On a moins de résorption que par rapport à l'os de départ. Voilà, ça c'est une autre vue. Donc, de l'architecture, toujours du plancher sinusien. Okay. Maintenant, alors, il faut connaître les pathologies du sinusienne. Bon, on va en voir quelques-unes, hein, parce que ça prendrait des heures, si vous voulez. Mais quand on parle, par exemple, des inflammations de corps étrangers, on parle aussi de fistules antrales et puis des facteurs anatomiques. Ce sont les trois éléments qui mènent aux pathologies sinusiennes. Alors, les pathologies sinusiennes peuvent être observées avec des corps étrangers. Vous voyez ici à droite, il n'y a pas d'inflammation, d'infection, mais l'implant a migré, ainsi que le pilier de l'implant. Donc, est-ce qu'on doit le retirer? Mais le patient était asymptomatique. Ça, c'était il y a quelques années. Il n'avait même pas remarqué le patient. Et quand il est venu pour une radiographie, il n'y avait pas d'infection, et voilà ce qu'on a constaté. Donc, on s'est dit, bah, écoutez, on va le laisser en paix, ce corps étranger, puisqu'il n'y a pas d'inflammation. Puis, alors, voilà une autre situation. Alors là, par contre, il y a une inflammation. Ici, on a des sinus qui sont enflammés. Regardez, toutes les cellules sont atteintes par l'infection. Et là, il faut vraiment retirer l'infection. Les sinus. Ensuite, s'il y a une fistule oro-antrale, alors qu'est-ce que c'est qu'une fistule oro-antrale? C'est-à-dire que vous avez une communication entre le sinus et la bouche. Donc, si vous avez, par exemple, une rupture du plancher, ce n'est pas une fistule, c'est simplement une rupture de la crête. Mais là, vous voyez ici, on voit l'inflammation des sinus et le patient a eu des infections chroniques. Donc, il faut bien sûr refermer cette fistule, comme ceci. Alors, bien sûr, avec une réclinaison des tissus mous autour de la fistule et puis après, petit lambeau pédiculé que l'on pose par-dessus. Ensuite, voilà, moment de la cicatrisation, ça c'est quelques semaines après, peut-être 15 jours après, l'infection des sinus a été résorbée, parce qu'il n'y a plus de communication, si vous voulez, entre le sinus et la bouche, et dans ce cas-là, on continue le protocole chirurgical normal, hein, c'est-à-dire pose d'implant, etc. Mais ce qui est important ici, c'est dans un cas comme ça, ne croyez pas que vous allez faire un soulevé de sinus et refermer la fistule. Non. Par exemple, si vous posez l'implant dans la communication, dans cette communication, vous prenez des risques. Hein. Il ne faut surtout pas prendre de risques à ce stade. Voilà, ça c'est donc juste après. Donc, pose d'implant, posez tout de suite après. Alors, les facteurs anatomiques maintenant. Alors là, ça peut être surprenant, mais là, il faut être très vigilant quand vous choisissez le bon biomatériau. Là, c'est quelque chose qu'on n'avait pas remarqué. Ce patient est venu et puis il avait des problèmes occasionnels, pas vraiment d'infection sinusienne, mais on voit au niveau apical, sur la première prémolaire, un petit problème. Mais bon, il disait qu'il avait des problèmes. Et la dernière molaire a été extraite. Mais quand on a au niveau de la tomodensitométrie, qu'avons-nous remarqué? Nous avons remarqué, et ça, il faut faire attention, on a remarqué, vous voyez, le septum transversal. Alors, ce septum transversal limite la ventilation dans les sinus, et donc vous avez une espèce d'inflammation de la muqueuse. Et là, il faut faire très attention, parce que s'il y a une inflammation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air qui circule dans les sinus n'est pas optimal. L'évacuation des muqueuses
quand on se mouche le nez, mais ne se passe pas bien de façon physiologique, et dans ce cas-là, on peut avoir une infection. Donc c'est pour ça que, premièrement, il faut soigner avec des médicaments traditionnels, l'amoxicilline, bien sûr, des corticoïdes, etc. Alors, au bout de quelques jours, on retire le septum. Il a été retiré au milieu, vous voyez. Donc, j'ai tout retiré, ce septum. Et puis, j'ai fait une greffe osseuse, mais avec un matériau de substitut. Mais moi, ça m'ennuyait, cette infection. Et donc, j'ai choisi de l'os spongieux. Même si vous voulez, je voulais avoir une matrice de collagène, bien sûr, pour pouvoir avoir tout de suite la formation d'un caillot sanguin et la vascularisation. Voilà. Parce que voilà ce qui s'est passé. Vous voyez le patient, ça c'est le scanner d'abord, avec l'hémosinus, vous voyez, ça saigne un petit peu, beaucoup même. Voilà les panchements de sang. Et regardez, il manque de l'os ici, de comblement. Ah, est-ce que c'est la raison? Je ne sais pas. Le patient est venu quelques jours après et il avait une infection. Et quand il se mouchait, il y avait du pus. Et puis, donc, je lui ai donné des corticoïdes. Donc, voilà, je lui ai donné des corticoïdes pendant 2 jours. Et puis, j'ai changé les antibiotiques. J'ai contrôlé à 8 jours. Le contrôle à 8 jours est vraiment fondamental. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc je lui donnais des antibiotiques. Donc au bout de 15 jours, il est revenu, j'ai refait un contrôle. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Eh bien, c'est ce à quoi je m'attendais. En fait, vous voyez, le matériau avait une fistule dans le matériau qui n'est pas allée dans l'os, mais dans la bouche, mais vers le sinus. Vous voyez la fistule qui a amené l'infection, qui a provoqué l'infection des matériaux vers le sinus. Mais c'est de l'os spongieux avec 30% de collagène. Alors ça, c'est la deuxième prise de médicament. Donc j'ai refait un scanner à 3 mois pour constater que la situation était bonne, mais ça n'était pas encore le cas. Mais on était en bonne voie. Plus de symptômes, le patient ne se plaignait plus. Et ça, c'est le scanner à 4 mois, vous voyez. Tout est parti, néoformation osseuse. Donc là, on est en bonne voie pour poser l'implant. Ce matériau de substitution osseuse a été réduit, c'est vrai, on a perdu de l'os, c'est vrai. Mais l'implant, on a pu quand même le poser. Donc c'était un bon compromis, finalement, que j'ai trouvé, si j'évaluais le risque, finalement, que je risquais de prendre vis-à-vis de ce patient. Donc voilà, les 3 étapes, l'infection aiguë jusqu'à la prise de décision à la fin. Alors maintenant, les corps étrangers, migration des implants, ça c'est important. Pourquoi y a-t-il une migration implantaire? Pourquoi? Parce que l'implant n'est pas stable. Et pourquoi il n'est pas stable l'implant? Peut-être parce que la hauteur de l'os n'est pas suffisante, parce que c'est la densité osseuse qui n'est pas bonne non plus, ou peut-être même parce que la forme de l'implant n'est pas la bonne. Et donc, il faut faire très attention. Il n'y a pas de bon implant dans tous les cas. Il faut choisir l'implant qui correspond à chaque cas traité. Voilà, ça c'est une amie à moi. Elle est venue me voir et puis on lui avait posé un implant et il a migré au niveau du sinus. Vous voyez, elle a eu une intervention chirurgicale. Et donc cet implant a migré. Donc je l'ai retiré, bien sûr, et j'ai essayé de voir pourquoi il fallait faire très attention dans le choix des implants. Voilà. Donc, on a résolu le problème de l'infection et puis on a bien sûr reconstruit. Ah, j'avais oublié cette photo. Là, vous voyez, on avait un mauvais choix d'implant. Ah, un mauvais forage aussi osseux. Vous savez, la façon dont vous forez est très importante aussi. Très importante quand vous préparez le site implantaire. Et puis aussi, de l'autre côté, il y avait un torque d'insertion trop fort qui entraîne une résorption osseuse et donc qui entraîne cette migration. Donc, un torque, un coupe de serrage trop élevé, ce n'est pas bon. Voilà, et donc ça entraîne une migration de l'implant. Alors, donc, on a bien sûr, il a fallu retirer cet implant, oui, en 3D.
Regardez, voilà, c'est la plante 3D Lock. L'implant est posé et puis il est positionné par cette petite plaque horizontale. C'est incroyable, mais bon, c'est un implant incroyable. C'était compliqué de comprendre comment retirer cet implant, parce qu'il a fallu d'abord le dévisser de la petite plaque, après retirer la petite plaque. Voilà. Donc, on a la petite membrane et après, on l'a isolée. Et bon, ce n'était pas un site candidat pour la pose immédiate d'un implant. Il fallait reconstruire la crête, faire une élévation osseuse, etc. Et puis restaurer de façon conventionnelle. Voilà, c'est ce qu'on a fait par la suite. Cela nous a pris plus d'un an pour traiter cette patiente. Maintenant, qu'en est-il de la topographie implantaire inadéquate, inappropriée? Plusieurs cas. À l'époque où vous traitez, vous avez peu de doses cristales, vous ne pouvez pas avoir un implant avec un diamètre réduit. Ce n'est pas possible, parce que sinon l'implant va migrer justement dans le sinus après le remodelage. Donc, il vous faut une rétention, c'est-à-dire au niveau des spires de l'implant. Et puis la forme de l'implant aussi est très importante, la forme conique, parce qu'à l'époque où vous avez peu d'os cristal restant, quand vous posez un implant conique, il ne peut pas migrer dans le sinus, à moins que, bon, que vous fassiez un mauvais forage. Et quand on tient compte de ce type d'implant ici, eh bien, moi, je travaille pour Dentsply depuis le début, mais en fait, moi, je peux vous dire que pour l'instant, moi, il n'y a aucune société dentaire qui me propose un implant différent de celui de Dentsply. Je suis désolée, mais c'est vrai. Et donc, alors évidemment, si vous trouvez quelque chose de mieux, envoyez-moi un email. Voyez, on a les microspires de l'implant. Bon, il faut faire attention. Alors, on dit que ça peut poser un problème avec les périapplantites, peut-être, mais au niveau quand vous avez peu d'os, 1 mm par exemple, il faut absolument avoir un bon contact os-implant avec ce microfiltage et puis avoir une forme conique de l'implant, parce que comme ceci, l'implant ne migrera pas dans les sinus. Voilà. Donc, vous voyez, la distance entre chaque spire est de 0,22 mm, qu'on voit sur l'image. Donc, ça veut dire que une macrospire, ici, vous la voyez, elle permet d'avoir une très bonne stabilité de l'os. Alors, imaginez, si j'ai 1,5 mm de hauteur, j'aurai 7 microspires d'os. Ça, c'est bien. Ça me permet d'avoir un bon torque de 25 cm. Et c'est très bon, comme ça. Ça permet d'éviter une compression trop importante quand on pose l'implant. Ça, c'est un cas intéressant, vous voyez, au niveau des sinus. Donc, on a l'ostium. Évidemment, il faut bien contrôler l'ostium. Pas de pathologie observée ici. Donc, au niveau des sinus, des quatre sinus, tout était bon. Et maintenant, quand on considère la tomodensitométrie comme ceci, eh bien, à gauche, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est l'image que vous voyez très bien à gauche. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a une crête régulière. On a certaines zones sombres à droite. Vous voyez, on a des zones noires, notamment au niveau de la ligne médiane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une crête qui n'est pas très minéralisée. On a peut-être des petits résidus d'inflammation. Donc, ça, ce n'est pas une indication pour la pose des implants. À droite, en revanche, sur le transparent, là, suivant. Alors, j'ai essayé d'imaginer la pose de l'implant. J'ai de la crête, 1,6 mm, tant mieux pour le premier implant, dans la zone molaire. Et là, vous voyez ici, et 1,6, 1,8 de chaque côté. Bon. Et sur la 17, j'ai 2,5 mm et 2,7 et 2,1 de chaque côté. Et dans une situation comme ça, moi je pense qu'on peut poser l'implant de façon sûre. Pour la position des implants, on est à 4, ce sont des implants de 4,5. Des implants TX, et donc ça, il va être posé
in the first premolar size, au niveau de la première prémolaire et puis le deuxième ici, sur la deuxième molaire. Voilà. So, how does it work? Alors, comment est-ce que cela fonctionne? Alors, moi, je devais faire une chirurgie en direct la dernière fois, mais pour différentes raisons, j'ai abandonné. Et c'est un des cas qui aurait été traité pendant la chirurgie en direct. Alors, donc, on a traité chaque site, chaque côté. Voilà, donc les ostiums sont bons, les canaux sont bons, les méas sont bons. Donc, ça, c'est à gauche. L'os n'était pas suffisant. Et ça, on va mettre l'accent là-dessus, sur la pose de ces implants-là. Voilà. Alors, à gauche, on a la même topographie pour la première molaire, mais de l'autre côté, en postérieur, on a, voyez, un manque d'os crestal. Donc, on avait... comme ceci. Alors, donc, on commence de ce côté-ci. Injection. Voilà. Et donc, injection. Injection is done qui est faite dans la tubérosité, la zone de la tubérosité, en apical, comme ça. Donc, si vous avez... Donc là, on fait l'injection en palatin. Alors, lentement, parce qu'à partir du moment où vous réclinez la muqueuse dentineuse, il y a un petit peu de douleur encore qui subsiste sur un centimètre en palatin. Vous devez ajouter davantage de produits anesthésiants, voilà, en palatin. C'est mieux de le faire dès le départ, donc pour éviter la douleur. Voilà la muqueuse, réclinaison de la muqueuse. Et puis l'incision est faite comme ceci sur la au niveau de la dernière dent. Donc voilà, comme ceci. Donc là, c'est la pleine épaisseur. Puis, ça c'est la zone. Voyez ici, regardez les cellules, la réaction inflammatoire ici sur la crête, le sinus. La fenêtre sinusienne est ouverte comme ceci, avec donc la scie, l'insert scie piezo. Voilà, on commence à déplacer comme ceci. Voilà la micro, le micro insert scie. On utilise ensuite l'insert boule diamantée, la rectangulaire en l'occurrence, pour bien retirer tous les petits résidus tout autour. Voilà, c'est ce qu'on appelle la patte d'éléphant, dit le docteur Khoury. Je ne sais pas si ça se dit en anglais, dit-il, mais donc, voilà. En fait, on va libérer comme ceci avec ce petit instrument en patte d'éléphant. Voilà. Alors, le nouvel outil a un petit trou au milieu, pour la pression. Je crois que c'est une bonne idée, parce qu'on pousse la muqueuse, mais faites attention, hein. Faites attention, parce que vous risquez d'aspirer la muqueuse avec ça. Donc moi, personnellement, je ne l'utilise plus. Voilà, donc je retire la fenêtre. C'est pas un sinus très fin, hein. La paroi osseuse, elle est épaisse, plus épaisse que celle de toute précédente. Vous voyez ici en bas, la partie inférieure, il faut aussi corriger la crête. Vous voyez, il y a une ROG qui doit être réalisée en apical après. On retire la fenêtre. Donc, on finit de la décharge, comme ceci, des parois. Regardez, dans ce genre de situation, on a une paroi épaisse. C'est intéressant, finalement, de retirer la fenêtre plutôt que de la laisser. Plus c'est épais, et plus vous avez besoin de la retirer, la fenêtre. Voyez ici, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais bon. Quand, vous voyez, la zone sombre est une zone faible. C'est un bel outil, il n'existe plus malheureusement. Il est à 180 degrés.
angulé à 180 degrés. Et si j'allais sur une île déserte, je crois que c'est l'outil que j'apporterais avec moi. Après avoir fait utiliser cette méthode. Avec les amis canadiens et une canette de bière. Vous buvez beaucoup de bière au Canada? Oui, apparemment, dit Dr. Renaud. Alors, revenons à notre mouton. Donc, vous voyez, la muqueuse mouche, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Non, en fait, c'est un faux test. Même si, de toute façon, elle va se déplacer, la muqueuse. Elle est peut-être un petit peu endommagée, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que le seul test que vous pouvez faire, c'est d'ingérer le sérum à l'intérieur et voir ce qui se passe. Si le sérum ressort, c'est bon. Donc, au moment où c'est cruanté à l'intérieur des sinus, ça veut dire que dans la zone postérieure, il n'y aura pas de problème au niveau de la membrane. Sinon, le sang s'écoulerait dans le sinus. Voilà, alors maintenant, on retire gentiment la partie antérieure. La paroi importante, ça c'est important pour cette paroi antérieure, parce que si vous comblez trop le matériau, vous risquez des problèmes. Voyez l'angle ici, voyez l'angulation de cette partie-là, et c'est la plus difficile à établir. Voilà. Maintenant, on va combler avec le biomatériau. Le matériau de substitution osseuse. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Voilà, donc on a posé la membrane, le matériau. La fenêtre est fermée, et voilà. Voilà, de l'autre côté, on va faire différemment. Alors, même réclinaison, comme ceci, on va poser des implants 1, 6, 2, 4. Le protocole est le même. On ouvre la fenêtre. J'imagine que vous avez des questions. J'espère. Oui, il y a des questions, dit Jean-Sébastien Renaud. Tu utilises toujours la membrane dans le sinus? Tu utilises la membrane, mais tu l'utilises toujours? C'est une question qui est posée. Non, je n'utilise pas systématiquement, mais une matrice de collagène spongieuse, si tout va bien. Parce que parfois, quand on pose le matériau de substitution, je ne veux pas qu'il y ait de pression, vous voyez, si la muqueuse est fine, parce que ça peut se casser, s'endommager. Et le biomatériau risque de migrer à l'intérieur des sinus. Alors, j'utilise une grande matrice de collagène avec la matrice de spongieuse. Si le site est faible, si la muqueuse est faible, par exemple, où il y a des petits trous, alors oui. Voyez, regardez ici. Voyez l'insert boule diamantée. Mais je n'aime pas tellement l'insert boule diamantée. Bon, je vous le montre comme ça, hein, pour le fun, mais je n'aime pas trop. Alors, j'ai une question sur le cas précédent. Quel type de matériau tu utilises pour la xénogreffe? Lequel? Quel cas? Le cas précédent, avec les infections, c'était une greffe allogène. Hein? Non, tu as dit que tu utilisais pour la xénogreffe. Je termine, dit le docteur Coury, après on reviendra à la question. Donc ça c'est intéressant parce que vous voyez, je tourne tout autour comme ceci. Je tracte gentiment, mais je ne pousse pas. Et comme ça, je peux faire bien décharger comme ceci. Voilà. Donc voilà les inserts que j'utilise, hein, comme je disais tout à l'heure.
Vous pouvez aussi utiliser des inserts manuels, hein, comme vous voulez, ou bien la piezochirurgie, comme vous voulez, des inserts en piezochirurgie, comme vous voulez. Voilà, là on va récliner la muqueuse comme ceci, avec l'insert piezo. Donc on ne le fait pas de façon manuelle. Okay. Voilà. I think in a minute that will be over. C'est la fin. When you are preparing a video, you know it's always too quick, but when you are quand on prépare un film, finalement c'est toujours trop rapide, mais là on s'aperçoit que ce n'est pas si rapide. Vous voyez, là je vais en profondeur, vous voyez, dans la partie antérieure au milieu comme ceci. Et il faut faire très attention avec l'insert en piezo. Il ne faut pas l'activer sans bouger. Hein. Parce que dès que vous l'activez, il faut tout de suite bouger. Hein. Parce que vous avez l'irrigation, parce que sinon vous risquez de brûler carrément la membrane, de la perforer. Surtout quand vous êtes à l'intérieur comme ceci, avec l'insert en piezo, de piezochirurgie. Voilà. Ça, c'est dû à quoi? Probablement, à l'époque, je revenais bien sûr à la manière manuelle et j'utilisais des curettes. Comme ceci, parce que, comme ceci, vous pouvez facilement savoir si vous êtes sur l'os ou si vous allez sur la muqueuse. Donc, on pouvait être plus précis dans le contrôle. Donc là, bien sûr, il faut une membrane, moins de 5 mm, pardon. Et puis après, on poursuit le protocole. Si vous êtes à moins de 5 mm, OK. Vérifiez est-ce que ce soit bien refermé. Bon, je voulais vous montrer le protocole mais pour suturer, bien sûr, mais je n'ai pas le temps. Ce sera la prochaine fois. Je n'utilise plus la membrane de sponge. J'utilise cette membrane-là. Et plus l'éponge. Quand vous posez l'éponge comme ceci, il faut être sûr que vous allez bien recouvrir toutes les berges du site et contrôlez bien. Veillez à ce que ce soit bien recouvert, que ça la recouvre bien le site. Voilà, vous poussez légèrement comme ceci pour être sûr qu'elle soit bien adaptée à la muqueuse. L'opération prend du temps. Voilà, je contrôle bien sûr le site. J'essaie de voir si je vois quelque chose qui n'est pas recouvert par la membrane éventuellement. Ensuite, alors forage. Et je prépare le site. Comme vous pouvez le voir, je vais lentement, hein, 300 tours minute, 400 pas plus, parce qu'on n'a pas besoin d'aller trop en profondeur, hein, ce n'est pas la peine. On prépare. Vous voyez, ça va vite. À l'époque, j'utilisais le forêt de contre-évasement. Maintenant, non. Enfin, on s'arrête juste avant la ligne indiquée, le marquage indiqué. Il faut une espèce de compression de la. Parce que quand vous utilisez ce genre d'outil, il faut l'utiliser, voyez, jusqu'à la ligne de démarcation noire. Bien sûr, ça dépend de la densité, certes. Hein, ça dépend de la profondeur, bien sûr. Mais là, il ne faut pas aller jusqu'au bout. Quelques millimètres. Parce que moi, je veux bien maintenir ce comblement. Je n'utilise pas d'implants cylindriques. Non, non, ce sont des implants coniques uniquement. N'oubliez pas, ici j'ai à peu près des implants 1, 6, 1, 8. Et puis 2, 4. Le deuxième implant, c'est un 2, 4. This is, Jérôme, what we were supposed to have for life surgery when we planned to do it together.
Voilà ce qu'on était censé faire, donc si on avait eu le temps de faire une chirurgie en direct. This is a xenograft. Alors ça c'est une xénogreffe. Oui, oui, ça c'est une xénogreffe, tout à fait. Oui. I might choose because at that time, you know, à l'époque, je n'avais pas feedback. De retour d'expérience en ce qui concerne le BCP. Le BCP, maintenant je pourrais aussi du BCP, un phosphate de calcium biphasique. Oui. C'est un matériau spongieux, hein. Oui, tout à fait, poreux, spongieux et poreux. Vous voyez, on voit ici, il est bien connecté. Ce ne sont pas des petites particules séparées. Et là, on a rajouté le sérum physiologique. Alors, vous avez peut-être répondu à la question de l'internaute qui voulait savoir de quel matériau s'agissait. Oui. C'est quand j'ai fait le côté gauche. Oui, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Tout à fait. Très bien. Donc, même matériau de chaque côté. Voilà, comblement. Ensuite, j'utilise cet outil pour retirer le biomatériau de la fenêtre. Je ne veux pas poser l'implant et comprimer l'hydroxyapatite, etc. Je ne veux pas qu'il y ait d'interférence, vous voyez. Regardez ici. Regardez la finesse. Hein. On l'aurait vu peut-être sur le film, mais regardez. C'est vraiment 1,5 mm, moins de 1,5 mm de hauteur. Hein. Donc, on voit le microfiltage de l'implant. Oui, c'est du 3,5. Oui. On est à 1,5. Ouais. Comme je disais, avec les microfiltages, je compte les microfiltages, les macrofiltages. Donc, au niveau du maxillaire, je vais à 4 newtons et je fais d'abord, je fais le forage, mais je ne vais pas aller au-delà de 30 newtons. Voilà. Alors là, après une petite ROG supplémentaire, voilà. Là, on a suturé et voilà, terminé. Voilà les implants posés. Vous voyez le dôme de chaque côté, ça veut dire que le matériau est bien resté là où il était. Il n'y a pas d'émergence. Le deuxième implant, c'était du 11 mm. Et à droite, on avait l'élévation sinusienne avec la greffe, la ROG. Voilà. Voilà, ça c'est l'atrophie maxillaire. Donc là, c'est quelque chose dont on a parlé, que vous pouvez trouver chez ABCDent aussi. Il y a eu une conférence faite en français. On pourrait peut-être la faire en anglais aussi, dit l'orateur. Bon, je ne vais pas trop en parler, mais voilà, c'est la régénération hybride. En fait, on s'appuie aussi hein, sur la densité faible ou élevée du biomatériau. On mélange avec des composants sanguins. Avec le PRF, etc. Vous voyez, l'os très fin ici, au niveau du prémaxillaire, voilà, donc élévation de sinus. Donc, on utilise bien sûr une gouttière, un espaceur plutôt. Après, donc, on a la ROG qui est réalisée. Avec cette régénération qui est un mélange de xénogreffe et de PRF. No membrane, voilà. Pas de membrane, hein, simplement, vous voyez, là, il n'y a pas de situation trop délicate. Bon, on en reparlera plus tard. Donc, ça, c'est le même protocole. Et là, ce n'est pas pour vous montrer, bien sûr, la ROG, mais simplement pour dire que je ne pose jamais l'implant immédiat sous une prothèse complète au maxillaire. Non, jamais. Peut-être avec l'os cristal, si j'en ai, parce que je risque une migration de l'implant. Vous voyez, par exemple, si j'ai 3 à 4 mm, je pense qu'il vaut mieux de remodeler l'os avant de poser l'implant. Parce que si vous avez une complication, ce sera terrible que de retirer l'implant. Parce que vous avez le biomatériau, vous avez l'ARG, vous avez le soulevé de sinus, etc. Le risque est vraiment élevé pour retirer l'implant une fois qu'il a migré. Donc, à chaque fois qu'il y a une préposition des prothèses, ne posez pas les implants qui devraient comprimer la zone. C'est embêtant, surtout sur une reconstruction de l'arcade complète. Bon,
le secteur antérieur, c'est autre chose encore. Donc voilà la régénération, donc les implants sont posés, voilà, ROG, voilà, donc ça c'est la deuxième phase étape chirurgicale, et ça c'est avec un suivi à 3-4 ans, voilà. Ça c'est le scanner à, voyez, à bout de 4 ans, au bout de 6 ans, vous voyez, on a un bon volume, une belle densité osseuse. On a des angles autour de la zone. Ça, c'est spécifique à ce genre de régénération hybride. Mais c'est finalement, ça peut durer hein, au fil du temps et être indépendant de la pose des implants. Voilà, on a terminé. Je vous promets que la prochaine étape, ce sera la partie 2, c'est-à-dire la reconstruction de la crête osseuse. Mais ce serait peut-être un peu trop tard ce soir que d'entamer la partie 2 de la présentation. Merci de votre attention. Est-ce qu'on a le temps de poser des questions, dit Jean-Sébastien Renaud. On a commencé tard, on finit tard. Alors, question numéro 1. En ce qui concerne le diagnostic, vous avez parlé de l'importance du CBCT, du long code, etc., dans la région sinusienne. Est-ce que vous évaluez toujours l'ostium avant? Oui, bien sûr. En fait, c'est une recommandation de la Société française de chirurgie. Si vous avez un problème et que vous n'avez pas observé les ostiums, et par exemple les méas, etc., autour du septum, votre responsabilité est compromise. Oui, il faut voir ce qui se passe. Si, par exemple, ça saigne, s'il y a une infection, le patient ne peut pas, par exemple, se moucher correctement, ou bien si il a un hémosinus, etc., il faut absolument que le méa, que les couloirs soient libérés. Parce que, au niveau de l'anatomie, il faut savoir exactement ce qu'il en est de l'anatomie des patients, la largeur, la longueur des méas et du septum. Donc oui, bien sûr, il faut toujours faire cet examen d'abord. Une autre question. En ce qui concerne les tout premiers cas que tu as parlé de vis de cicatrisation sur des piliers de cicatrisation. Il y a un critère pour ça sur lequel tu t'appuies en fonction de la chirurgie. Alors, oui. En fait, je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, par exemple, si tu as une stabilité osseuse de 30 newtons, alors tu poses ton pilier de cicatrisation. Et la prothèse va être posée par la suite. Mais même si c'est un implant long, il ne faut pas que la prothèse s'appuie dessus s'il y a un problème, bien sûr. Maintenant, c'est le tissu mou. Il faut tenir compte du tissu mou. Par exemple, s'il manque un manque de tissu mou, il vaut mieux recouvrir l'implant d'abord et puis faire, par exemple, poser le lambeau en demi-épaisseur et après poser le pilier. Moi, je pense que tu ne peux pas récliner le lambeau, compromettre l'os et puis après faire une augmentation. Par exemple, faire une greffe gingivale ou pour, tu vois. Mais si tu dois faire une grande chirurgie plus importante, par exemple, alors d'abord, tu fais une chirurgie en deux étapes. Pose d'implant en deux étapes. Maintenant, une autre question en ce qui concerne le type de matériaux que tu utilises. Alors, tu as parlé de pertes osseuses quand tu utilises l'allogreffe au niveau du sulvé sinusien. Alors, est-ce que les propriétés de l'éponge sont bonnes? Oui, mais ça dépend de ce que tu entends par os cortical. Bon, c'est-à-dire que l'os cortical,
Par exemple, au niveau de la tête du fémur, ça n'est pas forcément la même histoire. Regarde exactement dans un livre d'anatomie ce que l'on dit. Maintenant, si c'est un prélèvement, tu risques d'avoir des risques. Par exemple, tu risques d'avoir des différences par rapport à l'os cortical ou spongieux. Bon. Maintenant, si tu prélèves l'os sur une autre partie du corps, d'ailleurs certaines sociétés se sont penchées là-dessus, tu peux avoir une meilleure stabilité plus longue. Cela dit, moi, ce que je pense, c'est qu'au niveau des sinus, que quand tu utilises de l'os, ce n'est pas important. Parce que l'enveloppe est faite, de toute façon, tu utilises de l'os par rapport à la partie supérieure, d'accord? Je parle de remodelage osseux. Et donc, l'implant ne sera pas compromis. Si tu utilises ce biomatériau sur la surface pour créer une enveloppe et ça se résorbe, là, c'est autre chose. Parce que alors là, oui, là, quand tu découvres, par exemple, la tête de l'implant, oui, tu risques d'avoir des complications, des infections, etc. La périimplantite, justement, elle est issue de l'exposition de l'implant. Donc, quand on parle de biomatériaux dans les sinus, on ne peut pas extrapoler les choses. Il faut être très précis. Maintenant, si tu utilises de l'os cortical, spongieux, par exemple, prélèvement crânien, bon, pourquoi pas? Oui, parce que là, l'os est très stable. Mais même, il y aura quand même une résorption osseuse, même si c'est un prélèvement crânien. Voilà. Moi, je pense que, en ce qui concerne le sinus, en ce qui concerne ce genre d'os, j'utilise l'os allogénique dans le sinus quand j'ai un doute au niveau des risques d'infection. Par exemple, au niveau de la membrane elle-même. Alors, j'utilise justement ce genre de système à cause du pourcentage. Parce que, attention, s'il y a une infection, vous risquez d'avoir des problèmes. Je préfère la matière spongieuse elle-même. Maintenant, il faut savoir pourquoi on utilise l'os halogène dans ces cas-là. Dans ces cas-là, on utilise le BCP carrément, phosphate de calcium biphasique, pourquoi pas. Quelques questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions, mais... Il y a une question sur le PRF. On a vu une membrane à la fin de ta présentation. Tu l'utilises tous les combien? Souvent dans le sinus. Le sinus. Alors, dans le sinus, quand j'ai un doute, par exemple, de l'intégrité de la muqueuse, par exemple, je fais une PRF. Plutôt qu'utiliser la membrane, bon, je dis ça. Mais ça dépend. Que j'utilise la membrane à PRF, alors si moi je veux poser une membrane à l'intérieur parce qu'il y a un risque anatomique, alors je prépare ça. Mais si j'ai une membrane, j'utilise la membrane pendant la chirurgie, je ne veux pas avoir de problème de sepsie ou quoi que ce soit. Par exemple, ou alors... Je préfère faire un prélèvement. Oui, donc, si j'utilise la membrane, si je m'attends à quelque chose, alors je dirais oui, j'utilise la PRF pour être sûr, si vous voulez, d'augmenter toutes mes chances, surtout pour des petits sites. Maintenant, si vous envisagez de faire, par exemple, l'enveloppe Loma Linda, voyez, vous posez la membrane, vous recouvrez la muqueuse, après vous stabilisez avec des taquets, oui, d'accord, le PRF, oui. Par exemple, si vous avez quelque chose comme ça, pourquoi pas? Oui, il vaut mieux utiliser la membrane plutôt que la PRF. Une autre question. Alors, l'ostéodensification. Vous savez, en ce qui concerne les fraises à haute vitesse, etc.
Vous avez peut-être une, tu as peut-être une opinion là-dessus. Alors, l'ostéocondensation, c'est quelque chose d'important. Oui, quelque chose de très intéressant pour l'os de densité D2, D3, par exemple. Mais moi, je préfère avoir bien contrôlé l'élévation et le comblement. Par exemple, si j'ai de l'os de D1, D2, non. Non. Dans ces cas-là, non, je n'utilise pas. Parce qu'on va augmenter le torque et par voie de conséquence, l'inflammation. Maintenant, si j'ai du D3, D4, ok. Oui, c'est une bonne indication. Ensuite, une question drôle. Ce sera peut-être la dernière question. Est-ce que nous sommes en mesure, en France, en tant que dentiste, d'aller dans le sinus et de retirer nous-mêmes l'implant? Ou bien est-ce qu'il faut aller voir un spécialiste, etc. Alors ça, c'est une question très intéressante. Moi, on m'a posé la même question. C'est vrai. C'était pendant une conférence de consensus. À la CIFAC, il y avait des médecins qui étaient là et des dentistes. Et donc, j'ai montré un cas où on a retiré effectivement un kyste du sinus, mais qui était inflammatoire, un polype. Et puis, on a pénétré dans le sinus, on a retiré l'inflammation, on a refermé, etc. Pendant donc l'intervention. Et on m'a posé la même question. Alors l'idée est très simple. Pendant la chirurgie, si l'implant migre dans le sinus, est-ce que vous allez le retirer ou pas? Personne ne vous dira, mais pourquoi vous avez pénétré dans le sinus pour le retirer cet implant? Donc la question qui se pose, est-ce que vous êtes équipé pour ça? Est-ce que vous avez les outils appropriés pour ça? Et quand vous commencez à faire une chirurgie sinusienne, vous ne pouvez pas vous arrêter et faire une chirurgie minimale. Non. Il faut avoir, être bien formé pour cela. Alors, évidemment, si l'implant se trouve à la troisième partie supérieure du sinus, non, bien sûr que non. Là, personne ne pourra l'attraper. Avec la méthode Calwell, on est bien d'accord. Donc, il faudra évidemment entrer dans le site nasal. Mais là, ce n'est pas notre prérogative à nous. Mais au niveau latéral, oui, vous pouvez retirer cet implant ou une infection. Oui, ça, vous pouvez le faire, bien sûr. Vous pouvez le faire au cabinet ou à l'hôpital. Moi, au début, quand je faisais des élévations de sinus, oui, bien sûr, je savais le faire. Mais attention, il faut que vous sachiez exactement quel est le protocole à suivre, quels sont les médicaments à donner, à prescrire aux patients. Il faut faire des radiographies de contrôle, bien sûr. Donc, il faut avoir une bonne formation, être bien formé pour cela et avoir les bons outils et la bonne source lumineuse. Et donc, oui, vous y arriverez. Vous y parviendrez. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses avec Pascal Valentin, justement, Valentini. Bien. Il nous a dit, pendant mon cours post-universitaire, il a dit, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez dans le sinus, mais veillez à être capable de gérer les complications, parce que c'est ça aussi qui importe. C'est une bonne façon de dire bonjour à Pascal. Voilà. Eh bien, je vous remercie tous, mesdames et messieurs les internautes de la planète. Je crois qu'on peut s'arrêter là, on peut conclure. Voilà. Il faut planifier la prochaine conférence du webinaire. Merci à tous et à toutes. Nous avons fini un petit peu tard, peut-être. Mais bon, je pense que j'espère que tout le monde était connecté et a apprécié cette présentation, ce webinaire. Merci à tous les membres des Peers, bien sûr. Et puis, je suis sûre qu'ils nous regardent et puis qu'ils ont apprécié. On remercie l'équipe technique, ABC Gdan, Eugénol, Jérôme.
Cyril, l'interprète, Annie qui a traduit, elle vous remercie elle aussi. Voilà. Je saisis l'occasion pour remercier Cyril, ma collègue, pour les cours que nous assurons ensemble pour l'IDS. Voilà. Bonjour, bonne journée à tous. Je remercie Frédéric, Bettina, qui bien sûr a participé à la préparation. Et puis, merci à deux collègues, Agnès. On a travaillé depuis longtemps ensemble. Et puis, elle s'est occupée, bien sûr, d'organiser l'événement pour ce soir. Et puis, merci aussi à Stegansson, qui a œuvré aussi pour l'organisation de cette soirée. Il a écrit un livre et je fais sa petite pub un petit peu pour montrer son livre. Bon, vous pouvez l'acheter sur eBay si vous voulez. Voilà. Un grand merci. Vraiment, je le remercie chaudement. Parce qu'il a réalisé un travail extraordinaire dans le domaine des implants et notamment du microfiltrage des implants. Voilà, si vous avez l'occasion de lire ces ouvrages, lisez-les. C'est quelque chose c'est un must, surtout si vous aimez l'implantologie. Voilà, merci à tous, bye bye. Merci la planète. Au revoir à tous. Au revoir, bye bye. À bientôt.